Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo culinaire. Aujourd'hui, je vais te cuisiner deux choses. Première chose, ce sera des yakitori. Donc, je vais te faire plusieurs variantes de yakitori. Et une petite surprise pour le dessert, tu vas voir, ça va être pas mal. Allez, du coup, aujourd'hui, on va cuisiner des yakitori, parce que j'ai dit, oh, je suis pas tout seul, il y a le poteau de nounours qui est là, qui va tester, tu vois. Bonjour, il est pour la dégustation. Voilà, lui, il est là juste pour manger, tu sais très bien qu'il aime la bouffe, il est comme moi. C'est une quiche en cuisine, mais pardon. On va déguster, voilà, des bons yakitori. Mais avant de déguster, il va falloir les préparer. Alors, je vais t'expliquer comment on prépare de bons yakitori maison. On va partir sur trois variantes de yakitori nature, tu vois, grillé avec un petit peu de poireau. Une autre variante en boulette, tu vois, les fameuses boulettes que tu as de viande là, qui sont juste à tomber. Et une troisième où c'est avec la fameuse sauce yakitori. Pour cela, il vous faut 600 g de blanc de poulet. Il faut également un peu d'ail, du sel, du poivre, de la sauce yakitori. De la sauce teriyaki. Alors, je commence par découper mes blancs de poulet. Alors maintenant, une fois que ta viande est découpée, tu prends des pics à brochette, pas des cure-dents. Parce que du coup, tu vois, j'ai oublié de prendre des pics à brochette. On va se débrouiller avec des cure-dents. Et système D, du coup, hop, tadam. Pour les deuxièmes brochettes, je vais rajouter du poireau que je vais découper donc en petits morceaux. Voilà. Et qu'on va mettre à intermittence avec la viande. Voilà, donc j'ai préparé les deux premières variétés de brochettes, donc celle avec le poireau et celle-ci qui vont être après marinées en sauce. Alors, du coup, je vais m'attaquer au troisième type de brochettes, donc celles qui vont être les fameuses boulettes. Alors là, tu vois, je m'embête pas, je coupe, voilà, je coupe, là, parce que ça va passer au mixeur. Allez, donc du coup, on va mettre le poulet, on va mettre l'équivalent d'une demi-pousse d'ail, tu vois, pas beaucoup, une cuillère à café de maïzena. Donc là, on va faire vraiment fini, je sais pas du tout comment ça va, tu mets l'œuf. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je sais pas si ça va être réussi. Hein. Là, c'est vraiment total impro. Je vais rajouter un petit peu de chapelure, tu vois, pour arranger la consistance. Parce que là, tu vois, je suis parti sur un truc, mais je crois que ça va être la caca. C'est la catastrophe. Allez. Autre chose que j'ai oublié de préciser. Pense à rajouter un petit peu de gingembre frais, voilà, dedans dans ta mixture quand tu passes au robot. Donc maintenant, on va essayer de faire, parce que là c'est pas gagné, tu vois. On va essayer de faire des boulettes. Voilà, les boulettes sont faites. Je les passe 30 minutes dans le réfrigérateur afin de les durcir. Et voilà, donc j'ai mis les brochettes à cuire. Tranquillement. Alors du coup, pour ces brochettes, eh ben, je mets de la sauce yakitori. Ah, moi, ça commence à bien dorer. Je sens qu'on va se régaler. Et du coup, on met à cuire les secondes brochettes. Et pareil, on court. Je crois que le foirage est là. Ça se trouve, ce sera peut-être bon, hein. On va vite le savoir, de toute façon. Allez, forcément, faire des boulettes qui ne sont pas des boulettes, là, ça fait plus des tas de pâtes, parce que, tout simplement, pour la simple et bonne raison, qu'au lieu de mettre juste... Déjà, j'ai trop haché. Il fallait juste hacher, moi, j'ai fait de la purée. Et deuxièmement, au lieu de mettre
juste le jaune, j'ai mis le jaune et le blanc, chose qu'il ne fallait pas faire. Du coup, ça fait de la flotte et ça a été galère. Donc surtout, ne faites pas ça, ne faites pas comme moi. Mettez juste haché légèrement et rajoutez, une fois que vous avez haché, le jaune d'œuf par-dessus. Bon ben voilà, les brochettes sont enfin prêtes. On va pouvoir passer à la dégustation. Ça sent vraiment très très bon. Alors, pour faire des bons melon pan, je vais te donner la recette, c'est très très simple. Pour ça, il te faut une connexion internet, aller sur YouTube, taper Oshisan, et là tu vas voir, tu vas trouver une superbe vidéo comment faire les melon pan. T'as plus qu'à suivre la recette. Et puis voilà, moi c'est ce que je vais faire. Tu veux bouffer du melon pan, mais t'as pas assez de thunes pour aller au Japon? Le commander direct au Japon et le faire livrer, c'est relou parce qu'en général, c'est carrément moins bon. T'habites pas à Paris, tu peux pas aller à la boulangerie Aki. Quelle solution il te reste? Tout simplement te bouger, te lever les fesses de ton canapé, passer en cuisine et faire tes propres melon pan. Allez, ça y est, on passe à la dégustation. Donc pour accompagner les yakitori, il y a forcément le petit riz. Tu vois le petit riz comme d'habitude? Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, on commence par quoi? Bah, ce sont les premiers qu'on a fait. Ouais, je pense celle-ci, on va commencer à la faire. Donc peut-être après, il faudra rajouter peut-être un petit chouette de sel. Le riz, c'est salé, je crois. Ah bah franchement, c'est pas mal, je valide. C'est vraiment très très bon. Une première. Pour une première, hein, un peu improvisée. Ouais, ah ouais, une boulette. Ah, pour le coup, tu vas pas se rajouter un peu plus de sauce. On avait peur du résultat. Ah, t'as le côté qui est bien caramélisé. Ouais. Et enfin, la dernière brochette, parce que celle-ci, tu vois. C'est pareil, elle m'a goûté ça. Comment tu vas sembler ça? Ah, je suis scellé avec ça. Ah ouais. Mmh, t'as l'air, ouais. Bah franchement, ouais, bon. Ça, là ça ressemble vraiment. Ta gueule, je déguste. Bon, ça ressemble vraiment au yakitori que tu vois, tu peux manger au Japon. Ah ouais, au niveau goût, là on a vraiment. On trouve vraiment le truc. Beaucoup caramélisé. Moi ça me rappelle le resto de. Les yakitori que j'avais fait au Saga. C'est une tuerie. Donc, recette validée. Est-ce que tu valides? Ah ouais, tu peux en faire quand tu veux. Ah ouais. Mais de toute façon, je ne m'arrêterai pas forcément à cette recette, j'en ferai sûrement d'autres. Bon, là, tu vois, on a une odeur juste là. Ça sent très très bon. Donc, du coup, un grand merci à Oshisan pour sa superbe recette de melon pan. J'ai réussi à la faire, hein. Au début des petits cafouillages, mais bon ça tu le vois pas en vidéo bien entendu. Mais voilà le résultat. Ah carrément. Voilà les petits melon pan. Franchement, tu vois ils sont tout chauds là encore. Ça sent bon. Et ça sent bon, c'est comme ça sent bon. On va se régaler je crois. Ouais. Je vais pouvoir lâcher enfin un bon croc dans ce melon pan. C'est pas mal, franchement, avec la petite noix de coco derrière, c'est nickel. Alors, du coup, ce petit verdict, melon pan. Mmh. Bah, c'est bon. C'est bon. Toi, t'as enlevé déjà tout le dessus, quoi. Non. T'as tout enlevé. Et voilà, cette petite vidéo se termine. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Nous, on s'est vraiment régalé. Ouais. Hein, tu vois, avec les yakitori et les petits melon pan, hein, c'était vraiment royal. Je me suis préparé deux melon pan pour le matin. Ouais, pour le matin. En tout cas, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, pensez vraiment à me suivre et à vous abonner parce que quand les saisons vont commencer, je vais poster beaucoup de stories si vous voulez vraiment suivre les aventures de la saison 2 et de la saison 3. Je vous conseille fortement à vous abonner. Un grand merci à tous les tipeurs qui continuent à me soutenir en visualisant les vidéos gratuitement. Franchement, merci à vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, probablement pour un petit live. On se fera sûrement un live mardi prochain avant la reprise des conventions. Et oui, ça va commencer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on rattaque les salons. Donc là, tu vois, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver.
En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.